Corse.tv. Voici quatre tons qu'on entonne comme un catan. Quatre sons qui résonnent comme un klaxon. 4 à 4 tonitruants comme un klaxon. Pas quatre pattes, on est les quatre voix qui foutent aux ondes des contorsions. Quatre voix qui viennent après un long silence. Quatre échos qui te reviennent comme des boomerangs dès que l'on silence. Quatre plumes vagabondes, alchimistes du verbe sous la bannière du slam. Quatre regards sur le monde, souffle divin en herbe pour raviver la même flamme. Mais tellement de consonnes, tellement de voyelles. Comme une offense à l'ignorance, on vient en offrande à la connaissance. Guerrier au mental, forgé dans le métal, on a trouvé dans vos émotions que l'on consomme cette envie d'écrire qui nous consume. C'est vrai que ce ne sont que des sons que l'on dompe pour s'égayer. Mais puisqu'on les puise au fond de nos songes, on ne songe plus à se réveiller. On a tellement de consonnes, tellement de voyelles. Et quand on nous prend cette folle envie de sexe, non, quand on nous prend cette folle envie de sexe privé, chaque ruelle, chaque parcelle devient une scène. Chaque cycliste, chaque automobiliste devient un spectateur. On se donne en spectacle, en exhibition verbale. La poésie devient ce réceptacle vers lequel coulent nos folies les plus banales. On n'a pas besoin qu'on nous mette sur une estrade, car quand on slame, on est toujours haut et nos rimes tombent en cascade. Consonne, voyelle. 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 Consonne. À n'en pas douter, la richesse est dans la diversité. On pose, nos styles se juxtaposent et tu en as pour ta dose. C'est de la poésie descendue de son piédestal, dans la rue nous on l'étale. Avec des consonnes et des voyelles, sans prétention et sans artifice. A cappella ou en musique, nous on bâtit des édifices. Aujourd'hui nous sommes des artistes, même si souvent on se demande si on ne pratique pas un art triste. Mais non, nous ne sommes pas amateurs de ces artifices qui rendent les cerfs volants. Juste des poètes dresseurs des talents aux imaginations évasives comme des cerfs volants. Poète génétiquement modifié, non, c'est le slam qui nous a vendu ses ailes. Alors à se demander ce que l'on pouvait faire pour la culture, elle. Nous sommes restés en bande à quatre à cuver des textes sous la paillote d'un centre culturel. Jusqu'à ce que laisse à une heure tardive le collectif consonne, voyelle. 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 Quatre stylos, hostiles tout aussi haut, un peu hostile pour les oreilles austères. Quatre flots, quatre pros, quatre trop, pas un de trop. Quatre chantres qui vous enchantent par les mots. Quatre vitesses souvent en locomotion vers des endroits civils. Quatre sagesses, mi-soldats, mi-civils. Quatre chaînes, quatre couronnes, quatre univers de sons et d'images à vous tenir en haleine avec des voyelles et des consonnes. Mais tellement de consonnes, tellement de voyelles.